Un pet sitter, c'est comme le baby sitter. C'est la nounou, mais pour vos animaux. On se déplace à votre domicile pendant votre absence pour s'occuper des chats, des chiens ou des nouveaux animaux de compagnie. Vous nous dites quels sont vos besoins, quelles sont les habitudes de vos animaux et nous, on y répond. Pour devenir un professionnel de la garde d'animaux, il faut avoir obtenu le certificat de capacité autour des animaux domestiques, ce qui permet de fixer les connaissances de base sur les espèces. Ensuite, il faut avoir la déclaration auprès de la DDPP et surtout avoir une assurance de responsabilité civile professionnelle. Ce sont que trois obligations, mais elles sont vraiment fondamentales. Faire appel à un professionnel, c'est s'assurer de laisser son animal sous la responsabilité d'une personne de confiance qui connaît les animaux. Avoir eu des animaux n'est pas un gage suffisant. Il y a des notions de physiologie et d'étiologie à connaître pour prévenir des risques de blessures, de maladies et de stress. L'assurance est primordiale pour deux raisons. Premièrement, car vous laissez vos clés à un inconnu, donc cela doit être bordé en cas de problème. Deuxièmement, prenons l'exemple d'un chien qui fait tomber un vélo lors de la promenade avec le pet sitter. En cas de trouble sur la voie publique causé par votre chien, c'est votre assurance qui est engagée. Mais comme vous n'êtes pas présent, ce sera celle du professionnel qui prend le relais. Et en cas d'incident, on est heureux de trouver une solution. Vaud Animaux Services, c'est une entreprise dans le Calvados qui entame sa troisième année. Je suis spécialisée dans la garde d'animaux domestiques à votre domicile et je vous propose de visiter vos chats, vos chiens et vos nouveaux animaux de compagnie. Vaud Animaux Services, c'est mon activité professionnelle principale, ce qui me permet de pouvoir gérer les urgences, que ce soit une demande de dernier moment, mais aussi une urgence vétérinaire. Je m'attelle aussi à travailler avec les associations de protection animale sur le territoire afin de proposer des services à la suite des adoptions. Dans l'utopie peut-être, de faciliter les adoptions dans ces associations. En plus du pet sitting, je vous propose, pendant votre journée de travail, de venir voir votre chien pour le sortir, lui permettre de faire ses besoins et l'occuper. Le plus Vaud Animaux, ce sont des services d'entretien. Je vous propose de venir chez vous pour faire les litières, les cages, les aquariums et même les chenilles, si jamais vous n'avez pas la possibilité ou pas le temps. Je suis entre guillemets la femme de ménage pour vos animaux. Faire appel à un professionnel comme Vaud Animaux Services, c'est s'offrir la possibilité de partir l'esprit tranquille.